reborn. Else we're born. Ha! Hein? Il y a des gens avec des super pouvoirs ici. Et ils sont parmi nous, sérieux? Ha! Wow! Bonjour, frère et soeur. Depuis la mort de Tibio Choua, un clash a déclenché sur les réseaux sociaux. En qui? En un pasteur et un spiritualiste qui dit que c'est lui qui a tué Tibio Choua. En esprit. C'est le que tu es mort. Ouais. Ouais. Et il dit qu'il est le spiritualiste le plus puissant au monde. Ouais. Avec son pouvoir qui nous montre. Mais le problème aujourd'hui, c'est que quelqu'un l'a dérangé et c'est ce pasteur en question. Le pasteur dit que lui, il a eu un rêve. Et dans son rêve, il a attrapé ses spiritualistes, il a attrapé son esprit. Donc, dans les jours qui vont suivre, ce spiritualiste va tomber malade. Non, ce spiritualiste est levé et dit, ah bon, donc sérieux, donc j'ai tapé mon esprit sérieux. Moi qui suis le spiritualiste le plus fort au monde. Donc tu dis que tu as tapé mon esprit. Tu as fait ça comment? Tu as fait ça comment? C'est la guerre et il a décidé de nous révéler son pouvoir, son vrai pouvoir, et de nous dire la vérité sur la raison pour laquelle ce pasteur-là est en train de faire tout ça. Et il va clairement nous dire que si ce pasteur le fait, c'est juste parce qu'il veut avoir les fidèles de Tibio Choua ainsi que la thune. Sérieux? C'est pas de la blague, hein? C'est pas de la blague, hein? Vous allez voir ça tout sur le studio. Quoi? Mais il y a une chose qui paraît étrange aussi. Et la chose qui paraît vraiment très étrange, c'est que quand on regarde bien les deux mains, les deux doigts, se trouve une bague. Et ce spiritualiste a dit que allez bien regarder dans sa main. Dans sa main se trouve une bague. Et cette bague-là est la même bague que j'ai ici. Donc, ce gars-là, faites grave attention. Faites grave attention. Il n'est pas vrai du tout. Il y a quelque chose qui vous cache. Mais ne vous inquiétez pas. Allons voir ça. Vous allez découvrir par vous-même. Vous allez donner la consommation, ok? C'est parti. Prenez votre natte et asseyez-vous à terre. Ouais. Parce que ce que nous allons voir ici, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Et regardez, wouh, c'est extraordinaire. Ce qu'on voit à l'écran, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. C'est une chose réelle. Vraiment. C'est extraordinaire. Regardez très bien ici. C'est ici que tout se passe. Le clash a commencé. Juste après la mort de Tibio Choua. Le pasteur, elle est testée. Regardez son visage. Et ce spiritualiste est là. Il est chaud. Un face à face entre les deux. Après la mort de Tibio Choua, le pasteur Tibio Choua, qui est ici. Hein? Le pasteur dit que lui ne peut pas laisser ce spiritualiste dire au monde que c'est lui qui a tué Tibio Choua en esprit. C'est là que tout a commencé. Mais apparemment, ce spiritualiste a des choses à nous dire. Et regardez, regardez, il veut nous révéler des trucs. Écoutons. Et ne persuade Tibio Choua D, mais he so rest in perfect peace. And some of Nigeria pastors, when he passed away, they like it. Il dit vraiment Tibio Choua est mort, vraiment qu'il repose en paix. Mais à certains pasteurs qui ont aimé la mort de Tibio Choua. Because they want to find any ways and means that the church members to come to their church. Parce qu'ils veulent que les membres de l'église de Tibio Choua viennent dans leur église. Vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Donc, ça cause ça, il y a tout ce tapage là, sérieux. Tout ça cause ça, il y a tout ce tapage. Donc, l'intérêt de ces gens, c'est de récupérer les fidèles de Tibio Choua. Le vieux pasteur qui riait sur les réseaux sociaux, il disait Alléluia, Tibio Choua est mort, Alléluia. Et puis tout le monde dit Amen là-bas. Donc, Tibio Choua est un démon. Maintenant, c'est réjoui de la mort de quelqu'un maintenant. Hey! La vie a changé, le monde en avait. Même ceux qui sont dans le monde ne font pas ça. Non, c'est pas possible. Et cet homme a décidé d'aller très loin. Jusqu'à nous montrer son pouvoir. Son vrai pouvoir.
Ouais, son temple. Regarde son temple, regarde son temple. C'est ici, il prie. Hein. Ouais, il prie. Ça, c'est un féticheur choco. That he is a liar. Je veux dire à cet homme que c'est un menteur. This mind didn't catch me in his spirit. Il m'a jamais attrapé en esprit. He doesn't have any kolotoko. Nothing. Il n'a rien. Here is the dwarf's kingdom. Here is the dwarf's kingdom. Ici c'est mon royaume. I want people to see. Here is the dwarf's kingdom. And this thing show that only God. This one in my culture called Jinyame. Et dans ce royaume-là, il y a un pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est ça qui a essayé, c'est un nom. Only God, nobody, and this is the power. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'homme, seul Dieu. Il n'y a pas l'homme, c'est l'ultime pouvoir. This is the power. You see, this one is the power. What you understand? This one, I cannot bring you the food inside. If you read here, you see, dwarf's kingdom. Dwarf's kingdom. Et ça a même un nom. Here is the dwarf's kingdom. Il dit c'est le royaume dwarf. If you enter inside, here is the dwarf's kingdom, and this one is only God, only God, only God. This act, resemble only God. This one, it's, look, and this one, it says the powers. That's the act of the powers Okofi Okofi. The powers Okofi Okofi. You understand? Let me tell the pastor. This pastor come out and said that he catch me in the spirit. He catch me, I know what was on the spirit. And I want to tell this pastor that the ring that is holding his hand or the microphone is my ring. Boom. Il dit que ce pasteur il dit m'a attrapé un esprit, non? Moi qui ai le pouvoir supérieur. Mais attendez, je veux dire à ce pasteur que la bague qu'il a dans la main, avec le micro qui tient là dans la main, là, comme vous voyez le camp. Cette bague-là, c'est ma bague. Hey! Et nous, il nous le montre. Regardez très bien, regardez ça. Let everybody see this ring. Laissez les gens voir cette bague-là. And let him bring that ring out for people to see. The how this ring resembles the same ring there in his hand. Everybody must go to my Facebook page and see this ring there in my hand and let's go and see his ring. Et il invite les gens à aller voir cette bague là. C'est une photo de cet homme qui se trouve sur sa page Facebook. Everybody must show that this pastor, hey, you say you catch me in the spirit. You see, when you understand, even mention my name, you cannot even mention my name. Yes, there's the powers. The powers beyond this earth. Kofi powers. Sepixi. Là, il a tenté de montrer son pouvoir maintenant. Il y a un âme qui est là. Et il demande à l'âme de bouger. Vous voyez, non, de bouger. Et on voit le feu de l'âme. Vous voyez, le feu de l'âme. Sepixi. Donc il demande à son Dieu de faire bouger l'âme, le feu de l'âme. Il appelle cela, c'est un balade de la prospérité. Et il nous dit, vous voyez, je peux commander à l'âme de se remuer. Le pouvoir de Kofi Kofi. Faire bouger l'âme, faire remuer l'âme, le pouvoir de Tibio Kofi, faire remuer l'âme, c'est ce qu'il a dit de dire, faire bouger l'âme. Shake the tree, and everyone in the world to see you are shaking the tree. Et remue l'âme, mon pouvoir, Kofi, remue l'âme, afin que le monde de Dieu puisse voir que j'ai le pouvoir. Shake the tree, the power is going with me. Shake the tree. Le pouvoir de Kofi Kofi, remue l'âme. Laisse le monde voir que j'ai le pouvoir. J'ai dit remue cette table, pour que les gens du monde entier vont voir que c'est toi le Kofi Kofi pouvoir, le pouvoir de Kofi Kofi. Il veut que le monde entier puisse voir le pouvoir de Kofi Kofi. Donc là, il veut nous démontrer qu'il a le pouvoir. Donc, il commande à l'âme de se remuer. Non? Et puis,
nous fait voir que effectivement, quand il dit remue-toi, ça se remue. Quand il dit arrête de remuer, ça s'arrête. Hein? Est-ce qu'il a vraiment le pouvoir ou l'a-t-il bricolé avec nous? Est-ce que c'est de la blague? Bon, regardez vous-même. You are the powers. You are the powers. Sacré tree. The powers. Sacré beastie tree. The powers. Sacré tree. Sacré tree. Powers. Sacré tree. Sacré tree. I say sacré tree. If you didn't sacré tree, I would never believe you are confused with powers. Ouh, il dit à son Dieu, si tu ne remues pas l'arbre, tu veux vraiment pas croire que toi tu es Kofi Kofi, le pouvoir de Kofi Kofi. Sac district tree. Bishak, you see, nobody is in the top of the tree. I want people to see. Il dit, vous voyez, il y a personne sur cette table. This is not trick. See? Ça, il veut que tout le monde puisse voir que ça, ce n'est pas fake, ce n'est pas faux, ce n'est pas de la blague. Who is in the top of the tree? Nous montre qui est dans l'arbre. Nous montre, il veut qu'on regarde bien ce qui est à côté de l'arbre. Who is there? Où est, qui est là-bas? Qui est là-bas? Is there? Qui est là-bas? Who is there shaking the tree? Qui est là-bas en train de remuer l'arbre? Who is there? Tree, come down. Don't shake again. Et il nous dit, il commande maintenant à l'arbre de se calmer, de ne plus remuer. Come down. Don't shake again. The tree must come down. Don't shake again. Powers, shake the tree. Shake. Il redemande encore à son pouvoir de remuer cet arbre encore, à nouveau. Secretary, I command you to shake now. I command you to shake. I command you to shake now. Je te commande de remuer. Il dit à l'arbre, je te commande de remuer. You to shake. Let that fucking Nigerian person know that he don't have power. Et remue pour que je monte à ce pasteur là pour qu'il sache qu'il n'a pas le pouvoir. To calm my spirit. I have power. Et il n'a pas le pouvoir d'attraper mon esprit. To control a tree, to shake. Parce que moi j'ai le pouvoir de commander à l'arbre de se remuer. To control a tree, to shake. Nobody is the top of the tree. See, if there is somebody is the top of the tree, tell me that I'm lying. Regardez, s'il y a quelqu'un sous l'arbre, c'est que dites-le moi que je suis un menteur. If you know, if you see somebody in the top of the tree, I want the world to see the person I am. I want to show them my powers. Je veux que les gens dans le monde entier puissent voir la personne que je suis. Je veux leur montrer mon pouvoir. I want to show them my power that God has given to me. Je veux leur montrer le pouvoir que Dieu m'a donné. I want the world see if somebody is the top of the big tree. See, I want people to see if somebody is on the top of this tree. See, is there anybody on the top of this tree? Who is the top of this tree? This is a big tree. I want people to see. I want people to see. Je veux que les gens puissent voir. Je veux que les gens puissent voir. I want people to see. And this person is standing in Nigeria. Talk nonsense. Je veux que les gens sachent que ce pasteur qui se trouve au Nigeria, il raconte des histoires, des choses insensées. Il a fini avec ce pasteur-là. Il dit, il a tapé mon âme. Je vais finir avec lui. Je vais finir avec lui. Tu as dit que je vais mourir. Tu as dit que je vais être malade. I will deal with you spiritually. Je vais finir avec toi spirituellement. I will deal with you. Je vais finir avec toi. I will deal with you. I will deal. Hey, hey, salaka balaleba. Hey, kalaka shaka. I will tell you. I will show you my powers. You pastor, Nigeria pastor. Look, I will show you my powers. Toi, ni pasteur nigérien. Toi, je vais te montrer mon pouvoir. I will show you my powers. Me, I will deal with. I have 366 words. Ouh. Il dit, j'ai 366 esprits. Donc il travaille avec 166 esprits. Esprits. Genre les démons, quoi. Vous avez vu ça? Ha 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 ha.
Est-ce que vous pensez que c'est de la blague? A-t-il le pouvoir vraiment de faire tout ce qu'il est en train de nous raconter ici? Est-ce que vous y croyez? Les choses deviennent de plus en plus claires, mes frères et sœurs. Le diable ne se cache plus. Le diable est maintenant sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention. Il y a 366 esprits ou encore démons au moins qui sont là. En train de causer avec vous matin, midi et soir. Jésus. Hein? Sérieux? Mais je n'y savais pas. Qui a raison des deux? Apparemment, les deux ont la même bague de toute façon. Ça veut dire qu'on doit faire, on doit se méfier du pasteur. On doit se méfier des spiritualistes. Là, nous sommes au milieu. Bon, vous dites que vous avez le pouvoir. Vous dites que vous êtes fort, que vous êtes capable d'attraper l'esprit des gens. Mais Tibiushu est mort depuis. Mais vous ne faites rien. Que se passe-t-il? Ha! Les humains, ils ne font que parler. Le Dieu agit. Wow, c'est extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon pavillon bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous et soyez prêts pour le Seigneur. C'est parti.